Le requin, il est tout excité par ma caméra. Il va bouffer ma mousse si ça continue. Tiens, Jade, je te passe la cam. Mais attends, il va me sauter dessus, frère. Non. Mais tiens, mais c'est bon, tu la tiens assez haut et voilà. Ah, Jade, elle a peur. Oh, vas-y, tourne. Ah, oh, c'est excellent, tourne. Il est con, ce chien, il a rien compris, Noupi. On voit assez bien, là. Genre, je suis pas trop loin. Non. Salut à toutes et à tous, c'est Vinky. Alors, aujourd'hui, on se retrouve... Pas loulou. Mais tu vas devenir connu. Salut à toutes et à tous, c'est Vinky. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo qui est innovante pour une fois sur ma chaîne. D'habitude c'est tout le temps du gaming, on voit tout le temps les mêmes choses. Mais là, pour une fois, on va y voir un chien. Alors Jim, calme-toi. Alors mon loulou. Bref, aujourd'hui les gars, on va faire une vidéo avec Jim. Je ne sais pas du tout c'est quoi comme race de chien, c'est quoi comme chien, j'en ai aucune idée. C'est le chien de la copine à mon papy. Mais en gros, on le garde pendant une semaine. Et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où on teste l'intelligence du chien. Ça pourrait être marrant, ou pas du tout. Ça se trouve, soit il sera complètement con et on va l'appeler Noupi à la fin de cette vidéo, ou alors il sera trop intelligent. Donc sans plus tarder, on va commencer dès la première épreuve, mon loulou. Bah oui. J'ai remarqué, on parle comme des débiles aux chiens à chaque fois. Mais Jade, ça a pas commencé. Miskin, enlève lui. Oh, il est trop chaud. Première étape, les gars, on va devoir lui jeter une serviette sur la tête. Bah... On va devoir laisser le chien renifler une grande serviette ou une petite couverture, juste ici. Jetez-la sur la tête du chien pour le recouvrir complètement. Mettez le chronomètre en route et voyez combien de temps il faut au chien pour s'en libérer. Donc selon les résultats, 30 secondes ou moins, il a 3 points. 2 points si c'est entre 31 et 120 secondes. Il essaye, mais il n'y arrive pas dans les... 120 premières secondes, 1 point. Et bah si il cherche même pas à se libérer, qu'il est complètement con, bah 0 point. Donc voilà, première épreuve les gars. On va tout de suite commencer. Bah alors loulou, sans moi ça, ce joujou là. Ok, il renifle, il renifle. Ok, il a bien reniflé. Jim, viens là, regarde. C'est parti. Il bouge pas. Ah, ah, oh. En même temps, 4 secondes 80, trop facile. En même temps, la couverture, elle est un peu petite. Mais non, mais sur l'image, elle est encore plus petite que ça. Oh, mais c'est bien ça, mon loulou. Je le félicite, c'est bien. On peut dire que là, il démarre très très bien. Il démarre avec 3 points. C'est trop facile pour lui. Ne vous inquiétez pas, on va monter crescendo les étapes. Ok, une autre étape qui va être, je pense, marrante. On va devoir mettre une friandise sous la serviette. Donc, montrez la friandise au chien. Ensuite, posez-la au sol pendant que le chien la regarde. Recouvrez-la de la serviette. Mettez le chronomètre en route et voyez combien de temps le chien met pour prendre la friandise. Donc, entre 30 secondes ou moins 3 points, 31 ou 62 points, il l'essaye mais il n'y arrive pas. Au bout des 60 secondes, 1 point. Et il n'essaye pas 0. C'est trop mignon! Bon, c'est parti, on va faire ça. Donc les gars, cette fois-ci, ça va être ma petite sœur qui va faire parce qu'elle a trop envie de faire. Il est trop bien éduqué. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dans une première étape. Vas-y, tu lui fais renifler la friandise. C'est bien. Donc maintenant qu'il l'a bien vu, tu peux mettre sous la serviette. Non, pas bouger, assis. Voilà. Voilà. Donc là, voilà, j'ai déplacé la friandise au milieu. On peut voir la bosse. Et c'est parti. Allez, je... Montre-lui la croquette, aide-le. Là, 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 là. Là. Ah, les gars, ça, il a un peu plus de mal. Après, la serviette est grande. Attends, je vais la plier, non? Ouais. Là. Il essaye. On est déjà à 27 secondes, les gars. Non, là. Ah, il n'y arrive pas. Là. Non, pas bouger. Là. Il donne la patte. Voilà. Allez Jim, c'est au bord de la serviette, vas-y mon gars. Bon bah les gars, ça fait une minute que j'ai lancé le chrono, malheureusement le chien n'a pas réussi. Bon bah du coup les gars, malheureusement, je pensais qu'il allait être plus futé sur celle-ci, mais finalement ça doit pas être un si gros mangeur que ça, puisque clairement Mais là la serviette il l'a bougé. Il est con ou quoi? Il y arrive quand c'est fini. Bon, on va lui autoriser que 1 point. Il essaye. Il a vraiment très peu essayé. Hein. Prochaine étape, ça va être quoi? Mettez en place une ouverture assez basse. Pour ce test, vous avez besoin d'une ouverture près du sol que le chien peut atteindre avec ses pattes, mais non pas son museau. Ok, en gros, va falloir que je mette une friandise sous un truc. Va falloir qu'on construise un petit truc. Donc là, les gars, c'est parti. Regardez ce que j'ai construit. J'ai construit un petit truc là. J'ai mis des petits pylônes et j'ai mis une planche au-dessus. Et je vais mettre une croquette en dessous et il va devoir le chien, du coup, l'attraper, mais avec sa patte, pas avec son museau. Tu sens? Ok. Je la mets là. Et c'est parti. Vas-y, Jim. T'as mis le chronomètre? Non. Là. Là. Mais non, sans pas ma main, du con. Là, regarde. Là. Regarde. Là. Non.
Là. Oh, il est désespéré. Mais regarde avec tes yeux. Nif. Déjà, si on la met là, est-ce qu'il fait... Oh, bon, Bah il a pris avec son museau. C'est bon? Ouais, il est là. Ok, j'ai lancé le chronomètre. Allez, avec la patte. Aïe. Montre-lui la patte. Non mais prends-lui sa patte pour qu'il l'utilise. Ouais. Ok, et là faudrait qu'il la mette en dessous. Non. Allez. On est déjà à 23 secondes. Là. En fait il est vraiment là. Débile comme chien, je le pensais plus intelligent. On est déjà à 45 non, secondes alors... les gars. Ah ouais. Ah bah voilà. Bon bah je crois que c'est un échec. Il a rien compris. Bon, il a peut-être trop mangé. Hein. Mais regarde, il est... Mais pas du tout, il a pas du tout mangé, regarde, prends. Voilà, il mange. Bah clairement les gars, on solde échec sur échec là, Jade, non? Ouais. Bon, bah je pense que là on va passer tout de suite au prochain truc, parce que là c'est catastrophique. Bon, ma soeur elle a envie de s'improviser youtubeuse, du coup on va la laisser faire, parce que sinon elle va me faire un caca nerveux, d'accord? Non. Si. Un peu. Ok, alors tu lis la 6. Alors pour la 6ème épreuve pour gym, en gros faut mettre un go, je sais pas comment expliquer. Mais juste tu lis ce qui est écrit, Jade. Ah. Mais alors, du coup, pour la 6ème épreuve, alors, le test suivant est conçu pour éprouver la mémoire du chien et non pas ses talents pour résoudre un problème. J'ai pas compris. T'inquiète, je te l'expliquerai. Et la 7ème épreuve... Non, mais c'est la même, Jade. Ah bon? Punaise, mais elle est nouille, allez-y. Alors, faut poser 3 coupelles en plastique en verre et... poser 3 coupelles. Mais tu sais lire ou quoi? Mettez une friandise sous l'une d'elles pendant que le chien vous observe. Faites sortir le chien de la pièce pendant 30 secondes, puis revenez. Demandez au chien où se trouve la friandise. Bon, en gros, je sais pas si vous avez tout compris, parce qu'elle sait pas trop expliquer. Mais en tout cas, les gars, on va faire et vous allez très vite comprendre. C'est un peu comme le jeu, tu sais, où tu mets un truc sous 3 gobelets, tu tournes et tu vois où est-ce que c'est. Donc là, ça va être level facile parce que c'est pour chien, mais vous allez très vite comprendre, vous inquiétez pas. Donc les gars, première étape, je vais mettre juste une friandise ou 2-3 friandises sous un seul gobelet. Il faut lui montrer au chien plusieurs fois qu'il peut y avoir des friandises sous un gobelet. Et ensuite, on va faire l'expérience. Mais pourquoi tu prends directement pas de Jade, pour qu'il croit que c'est des friandises de fou. Là, tu vois, hop, sous le gobelet. Ok? Non, alors, on peut pas se faire des massages. Tu vois, là, c'est en dessous. Ok, vas-y, Jim, vas-y. J'ai pas compris. Jim, vas-y, là, là, vas-y, là. Là, là. Il m'a demandé des massages. Courage, mon loup. Là, oui, vas-y, allez. Non, mais Jim, pars pas. Bon, vas-y, encourage-le, toi, parce que moi, il m'écoute pas. Je crois qu'il en a marre d'être youtubeur, c'est trop dur. Il est là, attends. Non, regarde, je vais, au pire, je vais t'aider. Regarde, là. Avance, il veut pas. Jim là. Tu lui as fait peur. Regarde là. Non, là. Jim, viens là. Regarde. Là. Mais Jim. Il en a rien. Là, regarde. On peut faire du cheval. Merde. Ah ouais, bah vas-y, mange tes croquettes, ça me saoule. Il attend qu'on fasse ce travail à sa place, en fait. On va faire la dernière épreuve, je ne pense pas qu'elle va être concluante, mais on va essayer. Là, je suis en train de faire la préparation du truc, donc on doit espacer les gobelets de 30 cm chacun. Regarde mon loulou, je mets ça ici, et je mets ça ici, ok? Ok, maintenant, faut qu'on sorte le chien 30 secondes. Ok, je pense qu'il a bien compris. Là, faut le sortir de la pièce 30 secondes. J'aime bien. On va aller dehors, vite fait. Waouh. On le voit à la caméra que c'est hyper jaune dehors. Les gars, il y a le Sahara qui a repris surface. Non. Ça fait au moins une minute, on l'a sorti. Je sais pas si c'est bon de le laisser trop longtemps. Vas-y, on revient. Le premier but, c'est qu'il trouve la coupelle où on a caché croquettes. Ensuite, qu'il mange les croquettes, ça en verra, mais voilà. Tiens, mon loulou. Où est-ce qu'elles sont, les croquettes? Alors, ne pars pas. Il y a le chrono qui tourne. Jim, viens, Jim. C'est où là? Dis-nous où c'est. C'est là, c'est là, c'est là. Mais Jade, faut pas forcer un chien, hein. Qu'est-ce que tu fais? Mais Jade... Voilà, reste là. Mais tu me casses les... Bon, je pensais que t'avais de l'autorité, mais en fait pas du tout. Bon bah les gars...
Mais elle est complètement folle cette fille. Bon les gars, malheureusement cette vidéo elle va se solder par un échec. Le chien est complètement débile. Là je vais faire le récap des points pour voir. Et pourtant... Mais regardez avec qui je suis là, elle me donne des idées à la con. N'importe quoi. Je vais faire le cumul des points, honnêtement, je pense qu'il était intelligent, on commençait hyper bien la vidéo, et finalement... Bah t'es con. Donc sachant que les points c'est quoi? De 11 à 12 points, c'est un génie canin. De 8 à 10 points, un bon élève de centre de dressage canin. 4 à 7, un médor lambda. Je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est lambda, c'est pas ouf. 1 à 3, je ne pense pas, j'aboie. Et de 0 points, vous avez peut-être testé l'intelligence d'une serpillière. Jim, tu es une serpillière? Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle veut le faire monter dans la brouette. Là, viens, tu manges une croquette pour voir si... Oui, bien sûr, allez. Donc il a un total de 4 points. 4 points, un médor lambda. Il est pas con, il est pas intelligent. Il est entre les deux. Bon, je pensais que ça allait être un peu plus quand même. Mais, bah voilà, hein, c'est un chien comme les autres, écoute. Bref, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Jim, est-ce que tu penses que ça l'aura plu? Oh non, ok. Donc voilà, ça change un petit peu de mes vidéos d'habitude. Là, on était en bonne compagnie, on peut le dire. Et sur ce, moi, je vais arrêter la vidéo déjà parce que j'ai hyper mal au bras et surtout parce que ce chien, on l'aime bien, on l'aime bien. Mais il est con quand même. Bref, sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!